Teleproyecto Arquitectura en Televisión. Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, desde 1886, promoviendo el ejercicio profesional. La calidad Knauf pasa al frente. Aqua Panel, placas cementicias que resuelven todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Occhi Pinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Occhi Pinti, tecnología en placaras. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Hola, bienvenidos a la presente emisión de Teleproyecto, una aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que continúa renovándose semana a semana en sus pantallas, aportándole la actualidad del ejercicio profesional, tanto sea en la República Argentina como en la región y también en diversas partes del mundo. Hoy comenzaremos a compartir con todos ustedes el ciclo sobre la vida y obra de Le Corbusier en forma de capítulos, un material que nos fuera cedido gentilmente por el Servicio Cultural, Científico y de Cooperación de la Embajada Francesa en la República Argentina. La vida del gran maestro de la arquitectura moderna, contada por él mismo, sus ideas, sus obras, en un material imperdible y para coleccionar. Como ustedes saben, podrán ver este y otros programas en tiempo real cada vez que lo deseen, como así también bajarlo a sus computadoras y guardarlo. Nosotros no encriptamos nuestra labor, está a disposición de todo el mundo. Esto es entonces la vida y obra de Le Corbusier en Teleproyecto. La famille directe, père et mère, a certainement une influence décisive sur beaucoup de gens. Sur moi, elle a eu l'importance d'être un milieu parfaitement harmonieux, simple, digne, et pas bourgeois du tout, pratiquant du côté de ma mère les arts de la musique, sérieusement, professionnellement. Du côté de mon père, un métier qui était destiné à périr, c'était dans la ville, dans la métropole de l'horlogerie, de la montre, à la Chaux-de-Fonds, où je suis né. C'était le métier de fabricant de cadrans d'émail blanc, n'est-ce pas ? Métier qui est certainement l'un des plus difficiles artisanats existants. Et mon père l'a pratiqué avec toutes les difficultés que ça comportait, auxquelles j'assistais directement ou indirectement, mais que je pressentais. Je n'ai jamais eu aucune envie de suivre cette vocation. Mon père n'a jamais eu l'envie de me la proposer. Je faisais allusion à mon frère, qui était destiné à la musique. Il avait l'audition absolue, etc., etc. On en a fait un violoniste qui a commencé à 8 ans, n'est-ce pas, qui a donné un concert à 11 ans déjà. Et toute l'activité de la famille s'est concentrée sur lui. Pendant ce temps-là, j'étais maître dans la rue, au quartier, avec les copains. Et j'ai fait mon petit chemin seul.
Quand j'ai quitté l'école à 13 ans, je disais que j'aimerais dessiner. J'avais la manie, la maraude du dessin. Alors on m'a fourré dans une école appelée d'art, école d'art. C'est bon, le premier jour, je suis rentré à la maison en disant, vous savez pas ce qui m'arrive, ils me font graveur de boîtes de montre. Alors mon père m'a dit, écoute, c'est toujours un métier. Il vaut mieux ça que rien du tout. Et alors, j'ai trouvé ça un peu saumâtre, parce que ça me plaisait pas du tout de graver des fondements pour le sud de l'Amérique, n'est-ce pas, pour l'exportation. J'avais été l'objet de l'attention d'un maître qui était patent, qui s'appelait Les Platniers. Il m'aimait beaucoup. Et il m'a dit, tu feras autre chose, on va voir, on va voir. Puis un jour, il m'a déclaré, tu seras architecte. Alors, c'était la tuile. J'ai dit, jamais de la vie. Je déteste ça. Je déteste ce métier-là. J'avais comme preuve à l'appui, les maisons qu'on faisait chez nous, c'était pas très drôle, c'était pas épatant, ça me disait rien du tout. J'avais dans mon école d'art un membre de la commission qui devait se faire une villa. Je suis allé, je lui ai dit, je vous fais votre villa. Et il m'a dit, mais enfin, tu n'es pas architecte. J'ai dit, non, mais si, mais je peux le chercher, pourquoi pas. On fait une maison, ça se fait comme autre chose. Et je lui ai fait des plans, il a été épaté, et je l'ai eu, si je peux m'exprimer ainsi. Il m'a donné la commande de sa maison, j'avais 18 ans quand j'ai eu la commande. J'ai fait de 18 à 19 ans, ça m'a déjà valu les premières escarmouches sévères de l'opinion, et ça a continué sans arrêt. Mais ça m'a permis de tenir des pierres dans mes mains, des briques, et quand ayant une brique dans une main, me dire si j'en mets 1000 au même endroit l'une sur l'autre, c'est sacrément lourd, n'est-ce pas? Et je me suis occupé de la question des matériaux, de la valeur spécifique des matériaux, et j'ai senti que bâtir, c'est employer des matériaux, c'est se soumettre aux lois de la résistance, c'est inventer des moyens de vaincre la résistance des matériaux. Et ainsi de suite, je suis devenu architecte dans le sens le plus licite vis-à-vis du bon Dieu, mais non pas vis-à-vis des écoles peut-être. Je me suis installé en France définitivement en 18. J'étais administrateur délégué d'affaires techniques, qui avait des difficultés d'ailleurs, etc. etc. J'ai une usine, j'ai dirigé des fabrications. Et puis alors, j'ai commencé tout de suite par les jeux du hasard à mettre les pieds dans l'art élevé, grâce à une camaraderie qui a été d'une durée limitée avec aux enfants, qui m'a dit, vous êtes un tempérament d'artiste, je vous ferai une prophétie, on ne bâtira jamais pendant 40 années, mais on s'occupera de peinture. Moi, je ne demandais pas mieux que de m'occuper d'art, et j'ai accepté la proposition. Nous avons commencé à travailler le soir. Et la nuit, moi, c'était le seul moyen qui m'était rendu possible. Et le samedi après-midi et le dimanche, jusqu'au soir à 8 heures, je peignais. C'est à ce moment-là que j'ai fait mon premier tableau qui s'appelle La cheminée, et qui est un tableau qui est décisif, qui est peint comme une planche de porte, et impeccable, ça ne saute pas, et c'est impeccable comme peinture. En 18, je me suis trouvé être fondateur avec aux enfants et Dermé, fondateur et directeur de la revue L'Esprit Nouveau. Au dernier moment, les épreuves étant faites et les placards sous nos yeux de numéros, aux enfants m'ont dit, faudrait faire quelque chose sur l'architecture. Alors j'ai fait quelque chose que j'ai écrit un samedi soir, je me rappelle, il fallait les coupures le lundi. Et j'ai écrit trois rappels à messieurs les architectes, et j'ai dit, je les mets sous un autre nom, je m'appelle Jeanne Rey, dans mon état civil, et alors je l'ai mis sous le nom de Le Corbusier. Et ce tonnerre de Le Corbusier, il est né ce jour-là, avec ce premier article, et les suivants, ça a fait du pétard. Le Corbusier est devenu mondial le premier jour. Rappel à messieurs les architectes, le plan, le volume, la surface, qui m'ont valu des petites rognes de la part de la profession qui ont trouvé que je manquais de politesse. Or, je rappelais tout simplement des choses qui sont fondamentales. Cet article a éclaté partout. Nous avons eu des lettres de tous les pays, nous avons eu ensuite les visites de tout le monde qui venaient voir le dénommé Corbusier. J'avais parfois peine de me dire que c'était moi qui étais le type en question.
c'est en 1922 que pour la première fois j'ai fait une maison pour un monsieur et une dame qui avaient lu ces articles de l'Esprit Nouveau. J'étais des petits rentiers, ils m'ont demandé de leur faire leur maison en Vaucresson. Je l'ai fait, ils étaient gentils comme tout. Et voulez-vous une histoire comique? La semaine dernière, j'ai reçu une lettre avec une écriture un peu faible, un petit peu hésitante. Je suis Madame Benust, j'ai 94 ans, c'est vous qui avez bâti la première maison que vous ayez faite, c'est vous qui l'avez faite. J'ai entendu parler de vous à la radio, alors je vous écris pour vous dire bonjour. Cette petite maison m'a donné un mal incroyable, et en particulier la fenêtre des WC, qui n'arrivait pas à se mettre d'accord avec les autres, n'est-ce pas? Et ça a été une histoire considérable. Je me souviens même, nous partons un soir pour aller au Cirque d'Hiver, et tout à coup, dans l'ascenseur, j'ai dit, tiens, ça y est, j'ai trouvé. C'est une fenêtre de WC qui était capitale dans mon affaire, parce qu'autrement, c'était une fenêtre qui était disparate. Alors, ma fenêtre a été faite dans l'unité de l'ensemble. Ça a l'air de rigolo de dire des sottises pareilles, mais c'est capital, c'est la réalité même. Le temporal est venu me demander au nom du Salon d'automne de participer à l'exposition d'urbanisme. C'était la première exposition d'urbanisme en France. Alors, je lui dis, qu'est-ce que l'urbanisme? Eh bien, l'urbanisme, c'est la rue, c'est les boutiques, les devantures, les enseignes, tout au plus, on peut même admettre que c'est le corridor qui va jusqu'à la cage d'escalier, le pommeau de la cage d'escalier dans la maison. Alors, je lui dis, bon, ben moi, je vais vous faire une fontaine, une grande fontaine monumentale, et derrière, j'aurai une ville de 3 millions d'habitants. Et la petite blague que j'ai voulu jouer, c'est que j'ai pas fait la fontaine, mais j'ai fait l'étude théorique d'une ville contemporaine de 3 millions d'habitants, une étude complètement coordonnée et fondamentale, dont toutes les bases sont valables, même aujourd'hui, dans l'urbanisme des temps modernes, dans toutes les villes. Ça m'a valu de Léandre Vaïa ce mot admirable, qui, passant là-devant, il a dit « la droite est allemande et la courbe est française » en parlant d'urbanisme. J'ai apprécié la sagesse du verdict. Le soleil d'abord. Le nord. L'est et l'ouest. Jamais d'appartement au nord. Des appartements au sud, à l'est, à l'ouest, au sud, à l'est, à l'ouest, au sud, à l'est et à l'ouest, à l'est et à l'ouest. Puis le problème a porté à la solution de l'automobile, séparation absolue du piéton et de l'automobile. Voici les portes des maisons. Elles sont distantes de 200 mètres l'une de l'autre. Puis voici les autostrades pour les voitures automobiles à grande vitesse. Elles sont indépendantes de la situation des maisons. Puis des terrains de sport. Un stade, une piscine, des terrains de tennis, de basketball, puis les chemins des piétons. Les piétons ont des chemins rapides qui passent à travers au-dessous des maisons, des chemins promenades, puis des parcs plantés autour des chemins, autour des stades, autour des terrains de tennis et de football. Et ainsi, la ville se couvre de verdure. C'est une ville verte, construite à 12% de surface bâtie et à 88% de parc. La première fois à la Chartreuse des Mâles, en Toscane, où j'ai vu organiser magnifiquement, mais pour le silence, là, pour la méditation, les problèmes de l'individu le plus total et de la collectivité la plus harmonieuse. J'ai toujours senti qu'il y avait un binôme dans lequel s'inscrivait la possibilité d'une harmonie.
J'ai cherché dès mes débuts à faire des villes qui comprissent précisément la solution à ce binôme, la réponse à ce binôme, permettant alors de plus l'intervention des conditions de nature. Tout ça se tient, c'est une immense symphonie qu'il faut jouer, c'est pas facile, c'est compliqué, mais les techniques modernes permettent d'y répondre parfaitement. Le problème qui est en vue est celui de la maîtresse de maison. Eh bien, dès qu'il y a 300 maîtresses de maison sous la main, si vous les mettez ensemble, vous leur assurez à chacune l'isolation, la solitude et le non-voisinage, si paradoxal que ceci puisse paraître, n'est-ce pas ? Et je l'affirme, ils auront la solitude, la possibilité des services communs, du gardiennage d'enfants, des maternelles, des clubs de jeunesse, du marché de l'alimentation à domicile. Pourriez-vous nous donner quelques détails sur la façon dont vous entendez libérer la maîtresse de maison de ces charges? Si vous faites une unité d'habitation sous forme de 350 maisonnettes disposées dans des jardins, vous n'arriverez pas à réaliser la synthèse et le synchronisme des opérations quotidiennes qui se font à l'intérieur d'une journée solaire de 24 heures. Mais si vous groupez les 350 maisons les unes sur les autres, d'une certaine manière savante et bien ordonnée, vous arrivez à briser toutes les distances, à économiser les distances, à les supprimer et à permettre la réalisation des fonctions qui s'opèrent et qui doivent s'opérer heure après heure, minute après minute, et qui constituent ce qu'on appelle la vie domestique. Les charges ménagères commencent au ravitaillement qui se trouve réalisé par la coopérative de ravitaillement, laquelle est située au cœur du bâtiment. Ensuite, et c'est là que l'unité d'habitation groupée permet d'avoir le soleil, l'orientation absolument optime pour chaque logis, pour chaque endroit du logis, puis ensuite d'avoir l'espace, ce qui est une des choses que tous vont rechercher au bout des kilomètres des banlieues, et la verdure, phénomène également mis à disposition au pied même, autour même de la maison, grâce au groupement. Je place un homme sur son plancher. Je place un plafond, une surface de verre au-devant de lui, le pan de verre des immeubles modernes. L'œil de cet homme. Je place le soleil. Je place l'espace. Des arbres. C'est fini ? Le logis est conditionné. Je multiplie, je installe tout l'édifice sur pilotis. Les pilotis permettent dorénavant aux habitants de la ville de passer sous les maisons, aux rues et aux autostrades d'y passer également. Se développe au cours du temps, n'est-ce pas ? Et l'architecture se développe également. C'est un même sorte d'événement qui se passe dans le temps et l'espace. Car l'architecture ne se voit pas d'une fois, elle se voit en la parcourant, en se tournant. Les hommes ont les yeux devant et non pas autour de la tête, n'est-ce pas ? Et qu'ils ont les yeux 1,60 m au-dessus du sol à peu près. Et que c'est péremptoire pour considérer les œuvres de l'architecture. Et que c'est ça la clé qui sert à faire des œuvres architecturales. Quand vous le concevez, il faut penser qu'on tournera tout autour. Mais pour réaliser ces bâtiments, je crois que vous avez été un des premiers à concevoir la nécessité d'industrialiser les différents corps de métier. Depuis longtemps, la vue du Parthénon en Grèce avait éveillé en moi le goût de la perfection. Et cette perfection, je l'ai discernée dans notre civilisation moderne comme étant apportée automatiquement par le machinisme. Le machinisme n'étant pas un épouvantail et un facteur de laideur, mais au contraire, étant un outil extraordinaire de perfection.
Le tout est de conduire la perfection vers ses fins de nature harmonieuse, je dirais pas esthétique, mais enfin harmonieuse. Alors la perfection vient du standard, c'est un mot affreux qui m'a valu toutes sortes d'insultes et de reproches. On a dit veut faire des standards, mais bien sûr, le temple grec est un standard, les madones de la Renaissance ou gothique sont des standards, et les byzantines aussi. Toute la pensée humaine agit sur des standards, c'est-à-dire cherche à se préciser sur des thèmes essentiels, choisis, enfin mis au point, et qui permettent une mise au point incessante au lieu de divaguer dans toutes les directions, et dans la cacophonie. Le standard conduit à la perfection, c'est la chose que je me suis permis d'affirmer, et le standard, c'est donc de reconnaître des éléments permanents dans des choses. Et c'est la recherche de ces éléments permanents nous met en travers de la route l'homme, la présence humaine. Et ça, c'est encore un phénomène révolutionnaire d'oser prétendre que les choses, que de nos agissements, sont destinés aux hommes. Elles avaient parfaitement échappé, elles échappent parfaitement actuellement à notre emprise dans le monde entier. Nous sommes dans l'âge des robots. Et tout mon travail était au contraire d'humaniser les choses et de les mettre à l'échelle humaine. Alors, parlant standard, production en série et mass production pour que tout le monde en ait son compte, n'est-ce pas ? J'ai été conduit à rechercher au cours de ma vie des mesures de nature harmonique et d'essence mathématique. Et c'est encore un mot épouvantable, ça tue la poésie, paraît-il, alors que c'est l'essence même de la poésie. Hasta aquí llegamos por hoy. La próxima semana compartiremos el segundo capítulo sobre la vida y obra del gran maestro de la arquitectura moderna. Un nuevo aporte de Teleproyecto, una aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que continúa renovándose semana a semana en sus pantallas, aportándole la actualidad del ejercicio profesional, tanto sea en la República Argentina como en la región y también en diversas partes del mundo. Es un material que nos fuera cedido gentilmente por el Servicio Cultural, Científico y de Cooperación de la Embajada Francesa en la República Argentina. La vida del gran maestro de la arquitectura moderna, contada por él mismo, sus ideas, sus obras, en un material imperdible y para coleccionar. Como ustedes saben, podrán ver este y otros programas en tiempo real cada vez que lo deseen, como así también bajarlo a sus computadoras y guardarlo. Nosotros no encriptamos nuestra labor, está a disposición de todo el mundo. Sociedad Central de Arquitectos, desde 1886, promoviendo el ejercicio profesional. La calidad Knauf pasa al frente. Aqua Panel, placas cementicias que resuelven todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Occhi Pinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Occhi Pinti, tecnología en placaras. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar-se-puede. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.